Yo tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode de Pixel Car Racer. J'ai eu pas mal de retours sur le problème de son. Donc je m'étais rendu compte qu'il y avait un petit problème de son en effet, puisque du coup le son est pris uniquement par le micro du téléphone et que du coup en fait je passais de temps en temps la main dessus. C'est pour ça que vous aviez un son un peu étouffé de temps en temps et qu'on entendait mieux le jeu, enfin le son du jeu tout simplement. Plus que ma voix. Donc là, j'ai une disposition qui est un peu mieux. Normalement, vous devriez m'entendre un peu plus fort. Je vais faire un effort aussi pour parler un peu plus fort. Et du coup, voilà quoi. Alors, du coup, dans ce deuxième épisode, on va aller faire une petite race. Histoire de reprendre un peu pied. Parce que oui, ça fait facilement une semaine que j'ai pas rejoué. Du coup, on est parti pour du drag. En freerun, bien sûr. On va faire un beginner parce que je suis toujours aussi nul. Et on va tenter un demi-miles. Pour voir ce que ça donne. On y va par temps de neige. Tiens, on va faire. C'est parti. Oui, carrément, une Supra. Une Skyline. Bon, on va tenter de la... On va tenter de l'avoir quand même, faut pas déconner. Ok. C'est chaud. On est parti. Allez! C'est bon, je la poutre. Ouais, par contre, la VMAX, je risque de me faire avoir, non? Elle est derrière pour le moment. Oh, 200 plus, hein, d'accord. 220. Oui! Bien sûr! Ça va, ça va. Hop, on va revenir en arrière quand même. On a gagné un peu d'argent. Je vous propose d'aller dans le garage. On va aller dans le store. Qu'est-ce qui peut être plutôt pas mal pour avoir un peu de vitesse? On va attendre avant de partir sur un nouveau moteur. Parce qu'il coûte assez cher. Et puis le SR20, le 1GZ. Ah, le petit K20, pas mal le petit K20. Hop, j'en ai passé un. Le LS, ok. Il n'y a pas le Hayab. Oh, je suis déçu. Bon, c'est pas grave. Hop. On va aller regarder. Qu'est-ce que je peux faire? Du piston forgé. 45 HP. Ouais. D'ailleurs, ils ont quoi? Parce que tout à l'heure, on parlait. Ah ouais. LMS. Ok. 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 Les Advent. Il y a quoi tout à la fin? Dans les plus chers. Hop. D'accord. SF Unicorn. 2005, ça va. C'est pas cher. Du coup, non, on va partir. On va essayer de booster encore. Hein. Je pense que c'est vraiment, vraiment le top à avoir. Nous, on a celui-là. Ok, on va prendre un turbo peut-être plus gros. 3000. On a 7000. On a 3000. Allez hop, on l'achète. Tac. Et... Admission, il nous reste 4000. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Voilà. Une petite admission qui va bien. On va dans le garage et on équipe. Je suis désolé, j'ai un... Hop là. Non, c'est équipé que je vais faire. J'ai la gorge un petit peu prise. J'espère que ça va pas trop ternir le let's play. Alors. Non, c'est pas ça. Ok, donc je suis vraiment paumé en fait. Hein. Voilà. Le turbal, on est parti. Ah. Je peux pas le prendre. Non, c'est. Ah bah voilà. Voilà. 254 chevaux, c'est facile. Ok, d'accord, super. Imaginez 200 chevaux sur la capou. Du coup, je sais pas trop comment on augmente la VMAX par contre sur le jeu. 311 max. Ok. Ok. On va tester le banc. Parce que je n'ai jamais testé. Hop, on est parti. Ok. Je sais pas si c'est un apport en particulier ou c'est juste pour faire un gros kiki tout dur si vous voulez. On va voir ça tout de suite.
Ok, donc 251 à 7200 tours. Ok. Ça marche. J'ai réduit peut-être un petit peu le son aussi. Il faudra me dire hein, vos retours. Je pense qu'il va me falloir encore une vidéo pour bien me roder. Et on est parti du coup, on va faire des races. On va continuer parce que ça rapporte pas mal en fait la race sur un demi-mile. Hop, free run. Il va me falloir gagner un peu d'argent avant de faire vraiment une grosse grosse capoue pour pouvoir après partir sur un maïs par exemple. Je vais peut-être pas faire de nuit parce que c'est pas cool. On n'a pas encore fait depuis. On va tester. De partir sur une grosse capoue des familles hein, pour pouvoir avoir quelque chose de plus que correct. Je sais pas du coup si la météo a une incidence sur genre la chauffe des pneus, le démarrage, etc. Allez, c'est parti. Démarrage tout pourri. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir, les golfs? Un peu trop posé. Je sais pas si la VMAX passera. Elle va nous bouffer. Elle est devant. Ouais, on va perdre sur celui-là. J'ai fait un mauvais départ aussi, il faut dire. Et ça ne joue pas grand-chose. Ok, c'est perdu. C'est pas grave. Ah ouais, j'ai vu que normalement... Ouais, voilà. Plus de thunes. Encore plus d'argent, de l'argent. Ok, race. On va faire... Drag. Parce que vous voyez, en fait, le tournoi, il faut le payer. Et une fois qu'on le paye, il faut être dedans. Donc c'est classe D max. C'est pas tip top. Donc on n'a pas encore 10 000. CFT, je sais pas ce que c'est. Le tout, je... Allez, vous savez quoi, on va tester le tout. Je sais absolument pas ce que... Bah, Japan, bien sûr, on faut pas déconner. Et c'est parti. On va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est la vidéo de test, on va dire. Ok. Ok, donc je sais pas si j'ai pas foiré un truc en fait au démarrage. Du coup, on peut changer de voie. C'est pas mal ça. Ouais, d'accord, je vois le principe. Donc en fait, à mon avis, c'est une course 1 contre 1, sauf que comme j'ai fait un démarrage un peu foiré, que je sais pas trop, on va le refaire. Hein. Ah ouais, d'accord, il y a des voitures et tout. On va le refaire, hein, parce que je veux pas... Moi, je vais perdre, hein, bien sûr, parce qu'il est bien devant. À mon avis, c'est celui qui arrive à épuiser le temps de son adversaire. Je découvre un tout comme vous, hein. Je vais pas rejouer depuis la dernière fois. On va le refaire une autre fois quand même. Hein. On va pas rester sur un échec, hein. Faut pas déconner. C'est parti, Japan. Ouais. Ouais, il fait beau. Bon, n'hésitez pas surtout à me dire, à me faire des retours. Hein, si. Oh, contre une MPS! Derrière lui. Ah là là. Une MPS Gen 2. Alors il faut savoir que moi j'ai une Gen 1. Hein. Et du coup, on va essayer de se mettre devant lui pour l'embêter. Oh là, le téléphone a un peu de mal. Et je l'ai bloqué comme il faut. On est en train de perdre du temps. C'est bon. Je vous avoue que j'ai pas du tout vu la voiture qui arrivait. On va voir ce que ça donne si on gagne beaucoup d'argent ou pas. Et le Mont Fuji derrière. Une voiture en bas. Ah. Alors. Ça fait surtout de l'XP en fait. Ok, on repart sur une race. On va faire des lignes droites, c'est beaucoup, ça rapporte beaucoup plus. Continuons d'automatique parce que je suis toujours aussi mauvais. Et on va faire un petit peu. On va jouer un petit peu, on va aller taper le 10K. Et après qu'on ait les 10K, on va aller regarder ce qu'on peut faire. Et je pense à partir sur une autre vidéo. J'aimerais vous faire des vidéos un peu plus courtes, de 5 minutes à peu près.
mais qui dépasse pas les 10 minutes. La dernière, comme c'était un peu une découverte, elle a duré un petit peu trop longtemps. Je suis vraiment mauvais en démarrage là. Allez, 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 allez! Ouais, il est devant. Ouais, voilà. On va aller voir tout de suite ce qu'on peut acheter pour améliorer le tout. Hop là. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui peut être bien? Bon, hormis le moteur, hein, je vous entends là tout de suite. Hein, tous à crier moteur, moteur. Le turbo, le turbo, le turbo. On a quoi? Qu'est-ce qu'on peut atteindre facilement? Et carrément, un double turbo. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Le Mammoth S7. Ok. Ok, ah oui, il y a différents types, dis donc, en fonction des couleurs. Ok. 10 000, je pense qu'on peut aller chercher celui-là. Après, on peut peut-être forger aussi, ça peut être pas mal. 5 000, ok. Est-ce qu'on peut revendre par contre des choses? Non, c'est pas ça. Ça. Ok, ben on va aller, on va essayer de gagner encore une ou deux parties. C'est parti. Ouais. 2 jours, c'est parti. Alors n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez voir hein, un petit peu, si jamais vous avez des idées ou autres, si vous avez des cool tips, faut surtout pas hésiter. Ou si jamais vous avez des idées également pour m'aider à améliorer mon... Ah, faux départ, ok. Carrément, bon. On peut recommencer. On est sanctionné? Ouais, d'accord. Hop. Donc pour améliorer un peu hein, ma vidéo, c'est autant moi je me fais plaisir à jouer que bon, faut que vous fassiez un peu plaisir quand même à regarder. Donc n'hésitez surtout pas à me faire des retours, à me dire si c'est bien, si ça va pas, etc. Si vous voulez voir autre chose, d'autres contenus, etc. C'est une Mazda 6 MPS ou quoi? Elle ressemble un peu à les phares à l'avant. J'ai quand même l'impression que le touge rapporte beaucoup plus in fine. On va aller faire du touge. On va faire un autre touge. On va essayer de gagner. Tac. Tac. Japan, bien sûr. On va le faire coinage. Contre une Porsche, bien sûr. Ouais, ça me rappelle la première fois où je me suis retrouvé à rentrer en fait sur un circuit, donc c'était à Mérignac, et la première voiture, donc la première fois où je vais sur piste avec ma capot, la première voiture que je croise dans mon rétro, c'est une Porsche. Donc j'étais un petit peu déçu. Je pensais qu'ils allaient me mettre avec des personnes de mon niveau, et en fait non, pas du tout. Par contre c'est pas cool, là, elle est en train de me mettre... Ah d'accord. Ah là, on la récupère là. Et du coup, oui, je me suis retrouvé dans un split vraiment abusé en fait, où moi en tant que débutant, j'ai passé mon temps en fait à mettre mon clignot et à me mettre sur le côté pour laisser passer les gens. Néanmoins, ça a été une super, quand même, une super expérience. J'ai vu également que c'était là où j'avais pas assez d'endurance avec le stress et tout. J'étais au bout de 3 sessions de 20 minutes, j'étais KO quoi. Donc, bon, depuis, j'ai pris de bonnes résolutions. Un peu plus de sport, ça me permet d'être un peu plus endurant et du coup de moins subir hein, tout simplement pendant les sessions de piste. Bon, ben on est en train de mettre la pilée à la Porsche au final. En même temps, je suis à 300 km/h quasiment, 296, ça va.
Ok, on essaye de passer niveau 3. Et une fois qu'on aura passé niveau 3, eh bien j'arrêterai pour ce deuxième épisode. Ok, apparemment il faut pas trop démarrer comme je faisais en mode agressif. Ah, est-ce qu'on a de l'aspi? On a de l'aspi apparemment. Je vais me remettre derrière lui. Voilà. Apparemment c'est d'autres joueurs. Hein. Xelarate par exemple, hein. Je pense que c'est un autre joueur. Elle est chouette la petite, petite voiture. Non, 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 tu ne passes pas. Tu restes derrière. Ok. Je pense qu'on est en train de gagner tranquille. Peut-être passer le niveau 3 du coup. Facile. Ok, c'est parti, on continue. Ok. Ouais, level up. Allez. On va voir ce que ça donne. On va voir ce qu'on a gagné. Non, c'est pas ici. Du coup, on a 13 000, alors qu'est-ce qu'on va faire? On peut mettre des bas de caisse. Ok. Oh lolo lolo. Ok, d'accord. Est-ce que ça, du coup, ça améliore? Non, c'est le poids. Hein. Ok, donc on gagnerait en poids si on. Ok, et ça fait quoi en fait? Juste. Ok, juste la beauté. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Il y a des pneus. Du Smith-Leak. C'est quoi ça? Ok, c'est un truc d'occasion. On va prendre du Smith-Leak. Pour le principe. Pas déconner. C'est un peu ce que j'ai sur la capot. 9 000. Du coup, les pistons forgés à 5 000. Tac. L'intercooler, on a dit. Hop. 4 000, parfait. Il reste plus rien maintenant. Du coup, je sais pas trop comment on peut faire si on veut vendre. Ici, peut-être dans les. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Ok. Oh, très très bien. Beaucoup mieux ça, on va aller. Alors, tout de suite légende. Ouais. Ouais, elle est nickel comme ça. Paquet de noces. Du coup, ça c'est celui qu'on a équipé. Ok, non, on peut pas le vendre là. Hein. Du coup, on a dit piston. Intercooler. 300 chevaux, d'accord. Piston intercooler, en fait, on a fait que ça. Hein. Ouais. Ok. Hey. Vraiment pas mal. Vraiment sympa. Et donc, voilà. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour cette petite session. Pas trop longue, bien sûr. On aura fait un peu de touche. On aura vu un petit peu ce que c'était. On s'est mesuré même sur, contre une. Je pense que c'était une R34, si je dis pas trop de conneries, une petite skyline. Donc voilà, alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me suivre, à vous abonner, etc. Également, mettez des commentaires si vous voulez voir d'autres contenus ou pas, si vous voulez que je continue ou que j'arrête. Et bien sûr, comme je l'annonce sur ma page Facebook, je vais du coup faire des let's play, mais cette fois-ci avec mon volant et mon pédalier.
sur des jeux type Assetto et autres, donc tous avec des connotations, enfin avec des connotations, il y aura tous sur chacun une cappuccino à conduire, et le but ça va être de faire des choses un peu sympas avec quoi, donc faire des tournois, etc. et tout. Donc voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt à tous, et n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Allez, ciao tout le monde!